Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate Defiance. On est en train de tenter des choses et ici c'est un petit peu tendu ce qu'on fait d'ailleurs. T'as pris une route qui me plaît pas des masses. Mais maintenant que t'es là, on peut pas trop t'en extraire. Si peut-être par ici, viens là. Passe par les jardins. Ah, y a un véhicule qui est sorti là. Une plateforme d'appui de feu, ok. On a du taux normal. Plus beaucoup. Et où? T'es là. Vas-y, viens par là. C'est fait. Ok, du coup tu vas prendre le chemin là pendant que toi tu vas recharger. Ah, on a récupéré des rangers ici. Excellent. Je sais pas, venez là par exemple. On a vu des ennemis ou ça? Je vois pas, si là. Ok, une plateforme d'appui de feu, des homoncules. Le char est en train d'arriver normalement. Il y a la mer qui est en train d'arriver. Lapin 1, c'était... ok. Ok, bien joué. Très très bien ça. Alors faut que t'es zappé, soit dans la zone de danger, donc avance un peu. Toi du coup tu vas te tourner par là au cas où ça vienne par là, puis tu vas tenir tout seul. C'est les civils. Où est la petite Jeep qui est censée débloquer le truc? C'est toi? Ouais, c'est toi. D'accord. Là, on va se recharger. Donc ici, il reste du pélo. On commence à souffrir ici, hein. Il nous faudrait du renfort. Là-bas, du coup, vous. J'ai bien envie de vous dire... venez dans ce bâtiment, et vous, venez dans ce bâtiment. Oui. Ça va, tout va bien. Mort civilienne, c'est ça qu'il a dû dire. Ok, très bien. Est-ce que notre transport est arrivé? Pas encore. Il est où? Il est là. On va attendre que les civils sortent. Ici, un véhicule. Une araignée anti-aérienne, le taux est parti. Il se rate. Qui n'a plus de carburant? Quoi? Bah ça tombe bien, on avait un camion de carburant. Ah non putain, tout là-bas. Ok, on fait un petit détour. Toi tu te déploies. Vous, vous rentrez là-dedans, vous rechargez. Vous, vous allez faire vite fait un plein. S'il y a une attaque, toi t'es passé juste à temps, bien joué. Il y a un truc. Ouf. Coucou. Il a défoncé ce bâtiment. Toi, t'as pas l'impression d'être un petit peu genre exposé? Putain, mais pourquoi tu rates avec tes taux, toi, sérieusement? Oh la vache! Comme ça pique. On avait pas normalement une... une petite Humvee avec un... petit canon à plasma là, il est où? Elle est où nous, notre duo, cette Humvee? Il est mort? Quoi là, t'es où? Ah ouais, t'arrives mais t'arrives comme tu peux quoi. Ok. Très bien. Bon, il va pas tenir ce bâtiment, faudrait qu'on recule sur un autre. Toi t'as pris un peu cher, vas-y recharge, répare, comme tu peux.
Ah, ici, on a terminé avec le... Ah, bordel. Ici, on en a terminé avec le véhicule de... On a plus de munitions, quoi. En gros, on a plus de munitions, il nous reste du carburant. Bah écoutez, on cherche du carburant. Tant pis pour le... pour les ressources. Ici, le plein est fait, on se replace. Le plein est fait, on se replace. Ok, les rangers sont arrivés à temps. Là, ils vont manger, hein. Quoi, le véhicule, là? Une plateforme d'appui de feu. Trop loin pour toi. Avance. Avance, avance. Ici, il y a... des sauts partout. Pour l'instant, il n'y a rien ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est sorti. Ah oui. Une Spider et une LRM. Ça pique, ça. Là, ils sont plus que deux. Ah oui, puis en plus, il y avait lui qui était parti chercher des trucs. Okay. Chercher des munitions, c'est géré. C'est géré, mais on sent que ça force quand même. Hein. Vas-y, répare un peu, toi. Toi, t'as fait ton plein. Va chercher du civil. Ici, je vous ai demandé d'aller là, non? Je vous ai demandé de changer de bâtiment après, peut-être, avant que vous y soyez allés. Scusez. Mobile command trucks out of the area. Give us time to throw off any attempts to track us. Then you can pull out, sir. And as long as there's still prisoners coming out of it, you need to hold the research center. Tenez le centre de données pendant 5 minutes. Ok. Ici, on se fait allumer par un truc, c'est quoi? Une Spider, et le Sherman est trop loin pour la shooter. Elle est hyper loin, quoi. On va dire qu'on est vraiment trop proche, là. Donc on va reculer avec eux, tant pis, on va se mettre là. Il faut les forcer à avancer. Touché. Non, voilà, on va la faire avancer. Le Sherman. Ok. Une fois que le Sherman tire, c'est bon, il n'y a plus besoin de se faire chier. On va pouvoir évacuer, je pense, notre petit Bradley, là. Enfin, remarque. Vu qu'on a plus ce soutien-là... On va quand même les mettre là. Ouais, je pense qu'on va les mettre, dans ce bâtiment-là. Là. C'est un faible. Celui-là est moyen, mais il est beaucoup trop exposé. Peut-être celui-là. Toi t'es parti, vous vous surveillez toujours cette zone. Là on dirait qu'on n'a pas eu beaucoup de combats. Surtout au sud que ça arrive et là où ils nous envoient des chars quoi, parce que pourquoi pas. Pourquoi pas des chars. On a bientôt notre petit véhicule à plasma, attention. Ici, vous revenez vous mettre en position s'il vous plaît. Et toi tu vas reculer à peu près à l'abri. Dès qu'on a les ATGM en position, on va envoyer le char recharger son plein. On va t'envoyer là. On va mettre ces deux-là là, pour tenir cet endroit. À toi, niveau de carburant faible. Enemy sighted ici. On va l'avancer un peu lui parce qu'au final, je préfère que ce soit lui qui prenne plutôt que mes... toutes mes troupes. En plus, ce sera peut-être un peu plus précis, même si, bon, bah, clairement, il commence à manger. Il reste combien, là? Deux personnes dans Géant 1. Ouais. C'est sûr que c'est pas simple. Toi, on va te mettre par là, comme ça, tu pourras éventuellement tirer des deux côtés. Tu vas être un peu exposé aussi.
va voir comment ça se passe. Ici on arrive. Ah bah j'avais dit on a que 2 civils à évacuer, mais parfait, on en a 7, c'est nickel. On va pouvoir les faire rentrer dans notre petit transport. Oh là, il y a des trucs pour avancer vite là. Ah oui, c'est des nuées. Ouf, le petit lac des nuées. Ok. Ah, il y a notre saloperie de porteur là. Regardez-le, ce petit enfoiré là, avec ses RF6 dedans, assis en train d'attendre d'être évacué. Ici on a quoi qui sort? De la nuée, et là, une plateforme de transport armé. Ok, on va se faire défoncer, et ici, une plateforme de transport armé. Il nous reste du taux, elle va se faire défoncer. Ok, très bien. Du coup, les civils. C'est lui la vraie menace. Ouh, elle avance beaucoup, dis donc. Merci. Ok, on a un taux qui est perdu là. Préparez-vous à tirer, vous. Putain, qu'est-ce que c'est long. Ah, ils ont lâché des... Il a pu lâcher ses RF6. Normalement, on devrait les défoncer quand même. J'ai l'impression que le saut a raté. Ouais, ils sont en train de revenir. Allez, shoot-le! Oh putain, ils sortent de la map juste le temps qu'on ajuste le tir, quoi. C'est abusé. Est-ce qu'il va revenir? Il revient. Allez! Ah, je crois qu'on l'a eu. Oui, il y a des trucs qui tombent. Au moins, on lui a fait mal. Bon, ok. Et il a pas réussi à reprendre le truc et à nous faire perdre la mission. Ça, c'est le bon coup. C'est le bon plan. C'est le truc qu'on voulait. Ok, ici, une araignée, plus d'araignée, parfait. On va commencer à être un peu juste en taux, non ça va encore. Bon bah dis donc, tu peux plus tirer toi. Vas-y, répare peut-être. On s'est fait une... Toi tu peux plus tirer. Donc bah du coup, prépare-toi à évacuer, j'ai envie de te dire. Bah alors, passe par derrière. Alors ici, le striker, il a fait son plan. C'est parti, va par là-bas. Toi, t'as fait le plein, on va t'en renvoyer ici, en soutien. Alors pareil, on va les faire, on va leur faire faire des grands détours parce que... C'est un peu la saloperie là, le coup de... De passer sur cette route là. Ah lui, il s'est pris une rafale du porteur, je pense. La vache. Merde. Tant pis, c'est la vie. Eux, bah ils sont pleins. Toi pareil, tu vas plutôt aller par là-bas. Encore 2 minutes, il y a un moment où ça va péter. Toi t'as fait le plein, reviens. On va avoir besoin de toi, je pense. Toi tu remballes. Et tu vas aller squatter le carburant ici. Ouf. Putain. Aimer le... Oh là là, on a perdu 2 taux quoi. Eux ils sont pas bons avec leur taux hein. Alors c'est lui qui a pris l'agro, on va le reculer. Parce qu'il va pas tenir des masses. Ok, t'en as touché un, excellent. Canon détruit, parfait, reviens. Allez, il a raté. Il a touché 1 taux sur les 7 quoi. Alors ici, maintenant, on a un peu de force, ça va mieux. Parfait. On a des gens qui se déplacent à droite à gauche, c'est cool. Ici du coup, on a 7 civils. On peut aller les évacuer, ça fera le taf. On a le striker qui est en route. Qui est en route. On va l'envoyer parce que du coup... Il était parti s'arrêter. Toi, du coup, tu sers plus à grand chose là. Est-ce qu'on t'enverrait pas, genre par ici? Il y a quand même beaucoup d'infanterie qui sort par là. Ok, de nouveau des civils. 4, c'était trop. Donc on va attendre le prochain véhicule.
Vous avez des ATGM. Ah oui. C'est pour ça qu'ils ont pas tiré sur le... sur le char. Ils étaient en train de se recharger. Encore un. Putain, sérieux. Ouh, par contre, là, on l'a défoncé. Toujours pas les taux, hein. Bradley, là, je sais pas... je sais pas ce qu'il a, mais c'est franchement pas la précision de ouf, hein. Parfait. T'en es au niveau munitions, toi? Ça va. Honnêtement, ça va. C'est très très bon. Ah, excellent. I need to send a squad in there to bring out anyone still down in those cells. Those underground prison levels are huge, sir. Miles of tunnels, and laid out like a maze. You send a squad in, you might lose them too. You can wait to see if more prisoners emerge, but our mission here is done. Ok. Là, vous pourriez prendre des M134. Non, vous avez gardé ça. On a toujours sauvé autant de prisonniers que possible, du coup on va essayer de tenir. On va juste regarder s'il n'y a pas d'autres zones de sortie ou d'entrée plutôt qui sont apparues. Celle-là on la connaît. Celle-là on la connaît, ok, ça on connaît. Ça on connaît. Après, c'est bon. Et sur ce flanc... toujours celle-là où il n'y a personne qui est sorti, mais on continue de défendre parce que j'ai pas envie d'une surprise. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Du coup, il se casse. On n'a pas eu le temps de re-remplir à fond notre camion de carburant. On va sortir... alors on va pas sortir de camion parce que des fois qu'il y a un truc qui se retrouve en panne, ça sera la merde. Donc, il faut qu'on tienne jusqu'à ce qu'on ait sorti tous les civils. Ça me va. On va tenir avec ce qu'on a. Et on se repliera petit à petit au fur et à mesure. Quand on aura récupéré tous les civils, on se repliera vers le centre en évacuant tranquillement. Toi, faut que tu restes dans le coin parce que t'as besoin de porter la plateforme. Où est-ce que ça gueule? Ok, c'est ici. Putain, t'as pris cher, toi. Il a eu le temps de tirer, visiblement. Comme je pensais, hein, c'est qu'un striker, malheureusement. Mais... il permet quand même de nettoyer un peu plus vite. Ok, parfait. Encore 4 mecs. On va être à 8, on va pouvoir l'évacuer, lui. On n'a pas d'autres transports qui traîneraient, qui feraient rien. Toi, je t'avais envoyé là. Ah oui, pour te replacer. Je pense là. Il reste encore 3 taux, mais ça va. Toi, bah, en vrai, vu ton état, pareil, toi tu peux pas tirer, donc vas-y, va par là-bas. Là, on a le transport blindé qui se replie. On va garder le Bradley et les troupes dans le coin au cas où il y a un nouveau porteur qui se dise tiens, lol, je vais arriver et mettre une fessée. Espérant qu'il le fasse pas, parce que genre s'il pop des refs 6 ici par exemple, ça fait chier. Mais bon. Toi pareil, t'as plus de munitions, vas-y, replie-toi. Enfin, t'as des munitions, mais t'es blessé, c'est juste un minigun, efficace mais pas absolument nécessaire. Si, c'est le striker qui prend l'aggro, hein, visiblement. Ah, du coup je le contrôle plus lui, ah merde. Il y a quoi? Une petite plateforme d'appui de feu qui n'existe plus. Alors, où sont nos transports si on veut évacuer? Toi, t'es là, donc tu vas pouvoir transporter du monde. Parfait. Ok, là on a de quoi transporter pas mal de monde.
Toi, ce serait mieux si t'étais à un endroit où il y avait de l'infanterie à transporter. Par exemple là-bas. Enfin là-bas on a le Bradley qui est là toujours, il n'est pas mort, ouais. 7 personnes plus 10. 5 et 2 et 2, ça passe large avec les survivants. C'est en haut, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Toi on va t'envoyer en haut. Parce qu'avec les allers-retours avec les transports pour civils, mine de rien. C'est qu'il n'y a plus de munitions, toi. Comme vie avec un taux, ouais. Les deux taux qui te restaient, bah écoute, c'est comme ça. Je vais venir ici, on servira de toi pour évacuer cette tourelle. Là, on a toujours les petits renforts qui surveillent, les petits éclaireurs. Que vous foutez vous. Non, 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 stop. Venez par là. Putain, les cons. Ok, il va falloir qu'on fasse gaffe à nos chemins d'évacuation. Parce qu'ils veulent vraiment prendre cette grande route là. Donc je pense que le point de rassemblement ça va plutôt être par là. Pour les forcer à rester assez élevés. Allez, les petits civils là. On peut pas envoyer quelqu'un dedans. Hein. Personne ne sait combien ils sont ni combien de temps ça prendra. Mais je sais qu'ils nous disent quand il n'y en a plus. Donc ça va le faire, ça va le faire. Vous servez plus à grand chose ici, clairement, on va vous replier. Vous allez commencer à vous déplacer maintenant, ce sera fait. Niveau munitions, 4 TTGM, 9 SWO, ça va. On est bien là. On a tous nos ATGM. Des munitions, il te reste un quinto, mais ça n'a pas forcément été... Waouh. Mais ça doit être une nuée là qui nous a tué, qui nous a endommagé notre bâtiment comme ça. Alors, qui n'a plus de munitions? Ah merde, là on a plus du tout de taux sur ce flanc. C'est pas cool ça. On a encore du hit. Transport blindé, là on a 7, 5 et 4. Donc on va avoir besoin du transport blindé, donc on va le laisser dans le coin. On va le reculer un peu pour pas qu'il prenne. Le maire n'a plus de munitions. Hit. Ok. Encore les miniguns, ça va le faire. Ça va le faire, mais faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus. Hein. Alors ici, vous deux, vous avez relâché vos civils, ouais. Revenez par là. Conducteur de l'extrême. Genre quand il parle c'est qu'il se passe des trucs mais ça a l'air d'être à peu près calme. Ça sent le gros assaut à un moment. Allez, vous sortez, j'ai plus besoin de vous. Ouais, est-ce que j'ai assez de Humvee pour porter les tourelles légères? Un là. Et cette tourelle légère là, oui, il y en a un. Bon, je vais pas les sortir, des fois qu'ils se fassent dépouiller. Histoire qu'on n'ait pas à laisser des tourelles derrière débilement. Toi t'as encore de la munition. En vrai, t'as pas un angle de tir exceptionnel, mais il faudrait qu'ils avancent beaucoup pour se faire avoiner, mais comme ça au moins s'ils avancent. Est-ce que ça vaut le coup de tenter une petite sortie et prendre des munitions? Non, on ne meurt pas. Bon, déjà 40 de ravitaillement d'économiser.
Ici, ce sera intéressant aussi, mais il y a beaucoup trop de monde, je pense. C'est trop loin, faut sortir du bâtiment. Ça me plaît pas trop. Alors là, il y a deux civils. Très bien. Les véhicules sont en route normalement. Ouais, ils sont là. J'ai envie d'évacuer les tourelles, mais je vais les garder le temps que... Toi par contre... Ah, tu l'avais même pas déposé, t'es accroché. Ouais, tu vas te replier parce que en tant que tracteur, t'es quand même très lent. Surtout qu'il faut que tu montes par en haut. Donc vas-y. Évacue-nous ça, on va tenir avec ce qui nous reste ici, ça devrait le faire. Ok, encore des civils, parfait. Toi, viens là. Même plutôt ici. Ok, ici il y a des gens. Une spider anti-aérienne, ça va. Vas-y, faufile-toi, chope la tourelle. Ensuite, on se refaufile sur la route et on évacue. Clairement, j'ai moins confiance en lui que dans un bulldozer en termes de résistance. Hein. Après, s'il y a un char qui sort, dans tous les cas, c'est la merde. Ici, c'est géré. Ici, elle résiste. Ouais, on n'a plus de taux, donc forcément. Mais si elle s'approche, on va l'allumer. Ça me fait pas trop peur. Restons concentrés sur toi. Vas-y, en avant. Ok, ici on arrive. Qui c'est qui a pris des heavy damage là? Là vous arrivez pas à vous la faire sérieusement? Elle peut plus se déplacer. Okay. Et toi tu peux plus te déplacer non plus. C'est pas, ça c'est pas cool. Qui c'est qui arrive à lui tirer dessus du coup? C'est le sniper qui arrive à lui tirer dessus. Ouais, on n'a pas une portée optimale là. Hein. Faut réparer. Faut réparer pour pouvoir bouger. Je sais que vous allez devoir sortir en pleine en plein fight, mais... Allez, go. Avance. Et pète-moi des fesses. À notre tour, saloperie. Tiens. Un coup. Un deuxième. Ah. Ok. Bon. C'était pas d'une efficacité folle, mais le boulot est fait. On va se poser par ici en attendant. Du coup, les civils. Montez là-dedans. Et vous, droppez-les là. Voilà. Bon, ici on est déployé. Niveau portée, ça va pas être ouf. Ah, c'est pas si mal. En vrai, c'est franchement pas si mal. On va reculer un petit peu, parce que c'est pareil, hein, le moment où on n'a plus de pièces de rechange et où le véhicule est immobilisé, on l'a dans l'os, quoi. Par contre, toi, du coup, t'es trop loin. Ouais, t'es un petit peu trop loin. On va essayer de t'approcher un chouille. Pareil pour toi, d'ailleurs, j'ai oublié, mais t'as du hit et du HE. Vas-y. Installe-toi, tranquille, pas de stress. On sait jamais, des fois qu'il y aura des ennemis qui approchent. Hein. C'est pas la peine de stresser. Voilà, replace-toi par là. Heureusement, on n'a pas de char qui arrive en bas, hein, parce que ce serait compliqué.
Il est où l'autre? Putain, il est déjà là. Ouais, les strikers, ils tracent. Hein. C'est quand même cool. Hein. Bon. C'est trop calme. J'aime pas ça. C'est trop calme. Qui est sorti. Ok, parfait. Ça c'est fait. Encore des prisonniers. Encore un truc qui sort et qui se fait snipe. Excellent, notre petit Bradley là, lui pour le coup là, Zèbre 1, il s'est visé quoi. Chaque ATGM, c'est un ATGM qui touche. C'est bien joué. On commence à galérer en carburant par contre. On va devoir faire un plein. Tac tac tac, ok. On a dodo nouveaux civils, ils sont 5 en avant. Allez, go. Je reviens par là. Check the center's security systems, and there's no other live signature showing inside the complex. You should get your people out of there. Understood. Okay, everyone, we're done here. Pulling out. Ok, on a tout le monde. Parfait. Du coup, toi, reste là pour l'instant, on va voir où on a besoin de toi. Entrer dans les bâtiments, dans les véhicules, là c'est pareil, en avant. Ouh, là-dedans. Ici. En avant, on essaie de se tirer avant que la prochaine vague arrive si on peut. Là on va pas pouvoir rentrer par contre. À autant. On va pouvoir rentrer à autant là. Ah mais il y a un transport là, je vais amener un transport. Excellent. Parfait. Ici. Chope ça. Alors, toi tu vas y aller tranquille. Là-haut. Je me dis bien que tu fais demi-tour, c'est bon. Là. Là. Ici, on est plein. On y va. Pareil. Là, on évacue. Idem pour toi, on évacue. Là, il reste eux là, qui sont un peu en galère. Ils sont combien? 8. Hein, on n'a pas 8 places. Hein. 10 sur 10. Là, on est à 5 sur 7. Là, on est à 9 sur 11. Courez les gars. Ici on est à 8 sur 10, 8 sur 11, on va pouvoir évacuer toi. Ici on n'a aucun transport par contre. Donc le striker, il trace sa route ici. Toi, tu peux te replier. Là, de la même façon, on recule. Vous deux. Ils sont en train de rentrer, parfait. Vous deux. En arrière. Ah merde, c'est plein là. Alors attendez. Toi, viens là. Là. Toi, tu te replies, mais genre vers l'arrière, parce que sinon tu vas prendre l'autoroute. On va laisser le char ici pour défendre. Oh, il y a eux là. Venez par là. On va laisser le Bradley défendre pour le moment. Vas-y, on évacue. Ici, on va les laisser jusqu'au dernier moment. Pour le moment, c'est notre ligne arrière, on va dire. Pareil pour le char.
quoi ? Faut que tu t'arraches. Hop, là, on embarque. Attends, on avait plus grand chose comme munitions. Tandax, Tandax. On évacue par le haut. Vous deux. Allez, allez-y à pied, vous êtes pas très loin. Ici. On évacue, on va laisser le Bradley 2 secondes pour couvrir un petit peu les arrières éventuelles. Voilà, du coup visiblement ça a l'air d'être pas mal, donc on va commencer à sortir. Toi on va te garder jusqu'au dernier moment, toi on t'évacue. Le striker arrive, parfait. Viens là, vous sortez. Il n'y a personne d'autre, là il y a un véhicule, c'est un striker un petit peu lent mais qui roule. On embarque, est-ce qu'on va pouvoir mettre tout le monde? Merde non. Alors du coup vous sortez. Ah si non, tout le monde rentrait, excusez-moi. Excellent. En arrière. En arrière toi aussi, ici on va mettre eux dans le MV. Eux dans le MV. Hop, en arrière, en arrière. Le Bradley, il peut se replier. Tu vas où, Bob? Tu passes par la pampa. Ok, ça me va. Toi, pareil, tu te replies. Attends, ce MV là, il en peut tellement plus. J'espère qu'il va pas y avoir trop de saloperies qui vont nous rattraper par derrière. Toi, tu descends. Là, on tient la zone avec ces deux-là. Ici, on voit toujours une spider, mais rigolo. Bon, là, on a évacué à peu près tout le monde. Oh la vache, le pauvre MV, quoi. Allez, on sort. Toi tu peux sortir aussi, il y a peu de chances qu'on ait besoin d'une artillerie maintenant. Alors, mer 1. Ok, mer 1, tu vas faire un plein. Le Sherman, il reste 8 pour tenir. Alors le problème c'est que s'il y a de l'infanterie qui sort, on va se faire niquer, donc on va se replier aussi. Alors pour tenir par là. Merde, lui il est carrément à court de carburant. Ah, à 2 mètres du camion quoi. Sérieusement. Viens là. Il y a du monde là. Il commence à arriver. On se replie, on se replie. Le petit plein des familles. Allez, tirez-vous. Ah là, ce pauvre MV qui est en galère. On va devoir laisser du monde hein, pour protéger. Toi t'es endommagé, replie-toi. Ouf. En arrière. Ah là on a les civils, on va se tirer. Vas-y, replie pour pouvoir partir vite en cas de besoin. Là, il y a des petits loups qui se baladent, mais pour l'instant pas vers nous. Ah, un petit succès parce qu'on a sauvé tout le monde, ça c'est cool. Ils sont où? Ils sont là, ok. J'espère que j'ai peur de les avoir oubliés quelque part où je les voyais pas. Allez, lui il prend la route. Il va pouvoir rouler à au moins 35 km/h au lieu des 30. Alors, je pense que là, même les mecs qui courent, ils vont plus vite que lui. Donc,
Après, il a fait le taf, hein. Il a géré son quota de tank. Deux chars, deux véhicules de combat, deux véhicules de transport. Il a fait le boulot. Hein. Franchement, il a fait le boulot. Allez, on sort. Il y a de nouveau du monde ici. On les voit, mais on a personne dans ces bâtiments. D'accord. C'est les caméras encore qui jouent. Ok, il nous reste plus que des véhicules, c'est parfait. Lui, il y est presque. Malgré tout. Toi, avance un petit peu au cas où il y a un véhicule qui sort de derrière les bâtiments. Là, tu nous défonces. Voilà, parfait. Il fait le taf, le Charman. Hein. Le Raygun, là. Porté pas oufissime, mais il avoine. Toi, t'es sur l'angle de tir de notre Abrams, donc tu vas te barrer. Dès que lui s'est tiré, on recule en masse. Hein. J'aimerais de préférence sortir avant que des meutes de loups nous arrivent dessus. Et j'espère qu'on va avoir de la ressource en récompense, parce que... Sinon, comment dire que ça va être chou-bouillant. Ah, sinon, je pense que c'est la fin de la campagne. Si on n'a pas suffisamment de ressources pour les prochains déplacements, on n'a plus grand-chose à détruire. Clairement, on sera dans le mal. Allez, en arrière, les gars. Tirez-vous. Ouais, ça commence à se rapprocher, là. Des petites nuées qui volent. Là où toi. Ah oui. Il commence à reprendre le terrain. Et on évacue les deux derniers tanks, excellent. 1h14 de mission. 6 véhicules perdus, 27 soldats. Franchement, c'est très correct. Hein. 6, ça fait chier, mais c'est très correct. Je sens que non, il doit y avoir deux des véhicules de Légion qu'on avait piratés dans le tas. Ok, on va faire le petit débrief de fin de mission et on arrêtera l'épisode. Oh, chargement rapide. Lieutenant, you copy? This is Founders Actual. Good work, son. Your convoy's almost arrived at our base. Base, sir? Establish a new one to support your activities in the area. Where do you think the supply transports I sent you came from? That is good news, sir. Thank you. I'm expecting good things from this op, Lieutenant, once our techs have collated the data you've recovered. Meet me at the base, and we'll talk about what happens next. Okay. Something weird here. Actual said the Founders couldn't help in the Fort Worth assault, but now they've already established a base camp here? Got a feeling he's not here to help, just to make sure he gets whatever else we can find for him. I'd hate that to be true. Surely we're all supposed to be on the same side. We have free prisoners wanting to join up and get some payback on the wireheads. Ok, on passe à 38 civils, parfait. On va juste regarder vite fait. Combien ça nous prend de soigner tout le monde? 26, excellent, on va le faire tout de suite. Les troupes vont être déposées à l'extérieur du véhicule. Ah oui, bah, allez-y, pas de problème. Par contre, 0 jour. Ok, c'est 0 jour pour y aller, parfait. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, on fera la suite lors du prochain. Encore une belle mission, franchement, il y a tellement de choses à faire, c'est cool. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit message, à me dire ce que vous avez pensé. On se dit à très vite pour la suite, ciao ciao tout le monde.